on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui l'unboxing du mercredi avec la boutique Paint by Number Day. Voilà, c'est la deuxième fois que j'ai un partenariat avec eux. J'ai choisi une broderie et un accessoire. Voilà. Alors, la broderie, je l'avais déjà vue. Je ne sais plus chez qui. Je ne sais plus. J'ai oublié. Excuse-moi, j'ai oublié. Je sais même que je t'avais laissé un commentaire sur ta vidéo. En te disant que c'était une série. Et qu'il y en avait plusieurs. Mais non, je me suis trompée. Ce n'est pas une série. C'est le même style, mais c'est pour une autre, un autre motif où là, il y avait une série. Voilà. Donc, d'abord l'accessoire. Alors, par contre, j'ai pas pris des... à moins que j'en ai derrière moi. Oh. Alors, j'ai très mal au dos. Je me suis croqué le dos hier en faisant le ménage. D'habitude, c'est Chouchou qui fait le ménage. Oui, j'ai un Chouchou qui fait le ménage. Et puis hier, bon, j'ai dit, tiens, j'ai voulu refaire mon petit coin à moi. Et enfin, mon petit coin à moi. Nettoyer à fond le coin et puis changer un petit peu là où je mets où j'ai mon fauteuil, là où je mets mes... là où je mets mon fauteuil, mes broderies, mon tricot, voilà. Et du coup, hier, à un moment, en me baissant, j'ai entendu... Ouh, ça fait bobo, ça. Ça fait bobo. Et bah, du coup, voilà. Aujourd'hui, j'ai mal. Hier, j'avais mal. Mais je pensais que ça allait passer, mais non. Mais bon, demain, j'ai rendez-vous. Mon rendez-vous mensuel de chez mon docteur. Donc, on va voir ça. Alors, attendez. J'installe le truc. Ouais. Bon. Alors, voilà l'accessoire. Ce n'est pas un rouge à lèvres, mais ça y ressemble. Voilà. J'aime beaucoup le dessin. Alors, c'est aimanté. Ça s'ouvre comme ceci. Et c'est... Alors, voilà, là, je viens d'en mettre. C'est pour ranger vos aiguilles. Voilà, vous voyez, quand vous le tournez comme un rouge à lèvres. Ouais. C'est vraiment pratique. Ouais, parce que bah, du coup, j'ai une aiguille qui s'est coincée dedans. Et je ne sais plus le descendre. Bon. C'est pas top. C'est pas top. Non, ce n'est pas top du tout. Et puis ça, je ne peux pas le démonter pour récupérer. Bon, je ne sais pas si vous en aviez déjà acheté un, ce que vous en pensez. Mais bon, bah, du coup, j'ai une aiguille qui s'est déjà coincée dedans. Alors, c'est encore. Voilà, il se relève, mais j'ai une aiguille qui est... Mais je ne l'entends pas. Mais elle est dedans. Bon. Alors, vous mettez vos aiguilles dedans. Vous relevez comme ça, vos aiguilles sortent. Voilà, c'est un peu aimanté. Mais voilà. Bon. Petit gadget. Bon, mais si jamais ça vous intéresse, c'est au prix de 3,43 €. Voilà. Bon, je regarderai ça de plus près. C'est pas grave. Bon, petit fiasco, hein, ça arrive. La broderie. Voilà, je vais vous la montrer, mais face bureau. À tout de suite. Voici ma broderie, une pseudo Joy Sunday. Voilà. Alors, on l'a déjà vue, je pense, plusieurs fois, cette broderie. La voici. Le petit manoir, la petite maison dans la nuit. Avec le petit chat. Voilà. Là, il y a encore un petit chat. Une nuit toute étoilée. Très jolie.
Alors, on a combien de couleurs? Alors déjà, c'est un livret. Alors, il va y avoir du point de nœud, il va y avoir du point arrière et il va y avoir bien sûr les croix. Donc 32 couleurs en tout. Voici le patron. Alors, on a d'abord le dessin. Voilà. Attendez, je vais enlever le flash. Voilà, avec les parties 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est en 6 pages. C'est du 14CT, bien sûr. Alors, ici, on a une partie de la broderie, enfin du patron. Une deuxième ici en bas. Et on a le reste ici. Alors, tous les petits points blancs que vous voyez là, ce sont des points de nœuds. Alors, si vous n'aimez pas faire les points de nœuds ou si vous ne savez pas les faire, vous n'êtes pas obligé. Soit que vous allez refaire une croix, voilà. Soit que vous mettez des petites perles, pourquoi pas. Et moi, j'ai l'intention de... Enfin... Je vais voir, quand je serai pour la faire, hein, c'est pas tout, demain là, tout de suite, je ferai, comment, peut-être en fil phosphorescent, voilà, pour qu'on voit bien les étoiles, même dans la nuit, j'ai envie de faire ça, et voilà le reste, bon, c'est toujours bien imprimé, hein, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, ça c'est le patron. Ici, on va avoir nos fils. Ah, c'est les plaquettes que l'on n'aime pas beaucoup. On a toujours nos deux aiguilles. Je vais remettre le flash. Et donc c'est fait sur les plaquettes qu'on n'aime pas beaucoup. Attendez, j'écrase là. Voilà. Où il n'y a pas de nœud. Voilà. Joli ce bleu. Oh, excusez-moi. J'ai voulu bouger, mais ça coince, hein, le dos. Mais c'est vraiment sur le côté, c'est au niveau d'une côte. Ah, oh, ça fait mal. De toute façon, j'ai rien qui va, moi, en ce moment. Pas du tout la grande forme. Alors, voilà. Les jolies couleurs. Donc, voilà. Pour les couleurs. Hop. Et la toile. Alors, je vais vous dézoomer. Je vais essayer de vous montrer, mais vous voyez, elle est très grande. Enfin, surtout en hauteur. Voilà. Alors, le blanc. Le fond blanc est en quelle couleur? Ah, d'accord, c'est là. C'est le 11. Donc voilà, vous voyez ici, on aura tous les petits points là. Je vous dis, soit vous faites des croix, soit le point de nœud qui est préconisé, ou alors vous mettez des petites perles. À vous de... À votre choix, voilà, cherchez. Bon, sinon, niveau impression... Oups, là, pardon. Ça va, ça n'a pas l'air d'être décalé. Bon, c'est du il y a beaucoup de blocs. Hein. Y a pas, je vois pas de confettis, vraiment.
Voyez, c'est une toile qui va être assez simple à faire. Bon, le chat est là. Et l'autre chat, il est là. Ici. Alors, les symboles. Ça va, rien de compliqué. Alors, celui-là, ben, c'est le tout, c'est tout ce qui est blanc comme ça. Là, on a nos points arrière et ici, on a nos points nœuds. Et ah, ça c'est quoi? Attendez. Ah, c'est la suite. Oui, non, non, c'est la suite des croix. D'accord. Je me demandais ce que c'était. Voilà. Donc, c'est une broderie qui fait 146 sur 295 de hauteur. Alors, la taille réelle, alors c'est un 34-62, mais la taille réelle, alors 25 et demi sur, bon, à vue de nez, hein, 43, 13 sur 53 et demi, voilà. Elle est pas mal. Elle est assez facile à faire. Donc, on verra quand je la ferai. Pour l'instant, c'est pas tout de suite. Alors, je vous ai présenté cette broderie. Je ne vous ai pas donné son prix. Elle est à 11,03 € en Dieu Sunday. Et ce petit objet pour ranger les aiguilles. Voilà. Alors, j'ai récupéré l'aiguille qui était dedans, j'ai réussi à l'enlever, mais bon, je verrai. Peut-être que mes aiguilles sont vraiment trop trop fines, donc pour mettre d'autres aiguilles, ça devrait aller, mais bon, on verra. Je vous en reparlerai. Donc voilà, bah, écoutez, moi je remercie beaucoup la boutique Paint by Number Day. J'espère continuer des partenariats avec eux. Bon, là, je dois avec eux, on doit faire deux vidéos. Donc la deuxième vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Hein, ce serait pour commencer le kit. Mais bon, j'ai déjà tellement de kits de commencer que bon, on verra. Donc je les remercie beaucoup pour leur générosité. Voilà. Et moi, je vais vous laisser aujourd'hui. Je suis désolée, c'est un peu décousu aujourd'hui, mais j'ai vraiment extrêmement mal à mon dos. Et puis je suis extrêmement fatiguée aussi, c'est pour ça que je vais voir aussi mon docteur demain parce que bon, ben, je m'inquiète un peu pour certaines choses, mais bon, vous en faites pas, tout va bien. Je vais voir avec mon docteur demain, il va certainement me refaire des petits examens. Allez, bon, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.